Mon voisin. Non. Mon voisin. Mon voisin de Milena Agus. Une nuit où elle traînait sur le balcon et il y avait une lune qui semblait dessinée au fusain et le vent apportait l'odeur de la mer et les arômes du jardin, elle le vit tout à coup devant elle, le voisin. Il était à cheval sur le mur à l'endroit sans tesson de bouteille qui s'était élargi avec toutes ses allées et venues. Elle s'y attendait tellement peu qu'elle n'avait sur elle que sa combinaison transparente aux bretelles déchirées qui laissaient un sein découvert. « Ça, pour une surprise !» dit le voisin. « Non, toutes les nuits, je reste un peu ici avant d'aller me coucher. De toute façon, je ne dors pas. La surprise, ce sont vos formes que je ne pouvais pas deviner sous vos vêtements de clown. » Elle se mit à rire et devint toute rouge parce qu'elle savait qu'elle avait des gros nénés et elle courut à l'intérieur enfiler quelque chose. Elle revint avec un gilet, mais comme d'habitude, elle n'arrivait pas à trouver l'autre manche. Alors depuis le mur, il se pencha et lui glissa le bras à l'intérieur de la manche. « Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. Ces derniers temps, dès que je me couche, j'ai l'estomac qui tremble et je n'arrête pas de penser à une tumeur. Et j'ai la terreur de la mort. » Hein, si je pouvais avoir une maladie, si je pouvais vous voler toutes les causes de... Si je pouvais avoir une maladie, si je pouvais vous voler toutes les causes de mort et les prendre pour moi. » Le voisin riait, et à force de rire, se courbait sur le mur comme un cheval, et il enlevait les tessons de bouteille pour ne pas se blesser au visage. Depuis cette fois-là, elle l'attendait toujours au balcon. Elle s'acheta de la lingerie neuve qu'elle se gardait bien d'étendre avec des pinces à linge rouillées. Elle attendait le voisin dans un bustier en dentelle lacé sur le devant par de fins cordons, trop petit d'une taille, si bien qu'il ne fermait pas entièrement, et laissait le sein en partie découvert comme faisaient les dames au XVIIIe siècle. Elle acheta ainsi une nouvelle combinaison, pure soie, souple, qui mettait ses formes en valeur. Et au lieu d'attacher ses cheveux en chignon, un genre d'oignon plutôt, elle les laissait dénouer. Elle se mettait au balcon ainsi, tantôt en combinaison et tantôt en bustier, qu'elle accompagnait d'une jupe d'intérieur, pour donner l'idée du naturel et du hasard. Certaines nuits, elle trouvait le voisin déjà là, à cheval sur le mur où il avait maintenant dégagé un large pan sans tesson de bouteille. Il avait la terreur de la mort, au moins autant qu'elle la désirait. S'il s'était réveillé deux fois dans la nuit pour aller aux toilettes, c'était sûrement une tumeur à la prostate. Et si en revanche il pissait peu, un blocage rénal. Un mal de tête passager ou une accélération cardiaque, c'était l'imminence d'une congestion cérébrale ou d'un infarctus. Quelques cheveux sur l'oreiller, l'alopécie. Un petit bout de peau grattée parce que ça démangeait, le psoriasis. Un peu de fatigue, la leucémie. Un rhume qui ne passait pas en une journée ? Le sida. Alors, il apparaissait sur le mur, comme un chevalier triste de retour des croisades qui aurait vu la mort en face et ses compagnons d'armes transpercés par les épées ennemies. La mort, il se la représentait exactement comme dans le septième sceau de Bergman. Et elle, ça l'amusait énormément, car elle trouvait vraiment comique de penser de cette façon à une chose aussi douce que mourir. Vivre était vraiment terrible. Bien sûr, pas toujours. Il y avait eu pour elle aussi des moments où elle avait désiré vivre. Par exemple, quand le père du bébé lui parlait en enroulant autour de ses doigts ses cheveux qu'elle avait très longs, ou quand ils allaient manger des pizzas et qu'ils s'asseyaient l'un près de l'autre et les choisissaient différentes parce que de toute façon, ce qui était dans l'assiette de l'un était aussi à l'autre. Ou dans les excursions à la montagne, lui, attentif, derrière dans les montées, devant dans les descentes, ou bras dessus, bras dessous, en ville, parce que le père du bébé marchait vite et elle lentement. Et alors, elle s'accrochait et se laissait entraîner par ce doux courant, ou au lit, comme il lui plaisait, au lit. Le petit en ce temps-là n'existait pas. Il était encore sur quelque planète accueillante, où personne ne parle ni ne marche, et tout le monde trouve ça normal. Elle aurait dû mourir à ce moment-là, avant que le père du petit ne cesse de la désirer
et de s'inquiéter pour elle, et de la traîner avec douceur, et que le petit n'arrive sur notre planète où tout le monde s'attend à ce qu'on parle et marche. Elle aurait dû mourir à ce moment-là. Ni tête de mort sinistre, ni grande cape noire. Elle se serait diluée dans l'eau de la mer, transformée en écume, évaporée pour devenir nuage. Ou envolée sur une planète plus accueillante que la nôtre, où les belles choses ne finissent pas. Le voisin riait beaucoup de son idée de la mort. Puis il redevenait sérieux, et sans vouloir l'offenser. Il trouvait cela tellement stupide, cette façon de concevoir l'existence et la non-existence. Pourquoi le bébé aurait-il dû rester sur sa planète? Qui a dit que cette planète était si accueillante? Ne trouvait-elle pas affreux de souhaiter aux humains de ne pas exister, ou de casser leur pipe juste au moment où ils sont heureux, au lieu de leur souhaiter de découvrir comment vaincre les maladies et de vivre mieux et toujours plus longtemps? Son idée de la mort n'était-ce pas une insulte? À Dieu, à l'humanité tout entière, à ceux qui souffrent vraiment. « Nous ne sommes pas en guerre, disait le voisin. Nous mangeons 3 fois par jour et nous ne risquons pas de sauter en l'air en sortant de chez nous parce qu'un sniper nous a pris pour cible. Vouloir mourir ici, chez nous, c'est une insulte. Nous devons vivre le plus possible et abolir les guerres, la faim, la maladie et la mort. Pourquoi voulait-elle mourir? Pourquoi son fils ne parlait ni ne marchait à bientôt 2 ans? Ne valait-il mieux pas comprendre où était le problème et essayer de le résoudre? Et puis, n'avait-elle pas honte avec ses seins et ce cul et ses yeux et toutes ces merveilles qu'il n'avait malheureusement pu apprécier que depuis le mur, de toujours pleurnicher sur son amour perdu? Et pourquoi continuait-elle la journée aussi de porter ses habits de clown?